où Margot est morte, après quelques heures d'existence dans les bras de ses parents, quelque chose a changé dans ma vie d'homme, de croyant, de prêtre. Je me rappelle la question que sa jeune maman me posait à travers les larmes. Nous étions dans la voiture, nous allions à l'église pour les funérailles, et elle me disait « Pourquoi ? Pourquoi ?» Question inéluctable. On ne peut pas s'empêcher de se poser cette question face à la mort, face à la maladie, face au mal, au malheur. Pourquoi ? Pourquoi ? Je cherchais la réponse. Il n'y en avait pas. Ou plutôt, il y en avait beaucoup, peut-être même trop. Si on regardait vers le passé, on finissait par trouver des coupables. La négligence d'un tel, l'imprudence d'un autre. Et puis soi-même, on se demandait, en ai-je fait assez ? N'aurais-je pas dû donner tel conseil ? Mais tout ça est absurde pour un croyant. Et je revenais toujours à la même interrogation, celle de Marthe, celle de Marie et de beaucoup d'entre nous. Seigneur, si tu avais été là, si tu avais été là. Alors, que dire à ce jeune couple accablé ? Soudain, une illumination. Jésus, sur la croix, avait crié la même question. Pourquoi ? Pourquoi ? Or, nous connaissons les réponses à la question de Jésus. Là aussi, on peut trouver des coupables. Judas, bien sûr, qui l'a trahi. Ponce Pilate, les Romains qui l'ont crucifié, les prêtres juifs qui l'ont livré, les apôtres qui l'ont abandonné, etc. Même la Vierge Marie aurait pu se dire au pied de la croix, si à Cana je n'avais pas un peu lancé le petit, on n'en serait peut-être pas arrivé là. Mais tout ça est absurde aussi. La question est toujours la même. N'est-ce pas Dieu le coupable, le The coupable ? S'il était tout-puissant, lui qui a ouvert les yeux des aveugles, ne peut-il pas empêcher cela ? Serait-il insensible face à notre mal ? Serait-il impuissant ? Pire, serait-il inexistant. Mais voilà, c'est Dieu qui meurt sur la croix, justement. Il prend sur lui nos souffrances. Il donne la vie pour ses amis. Il donne la vie à son ami Lazare. Alors pourquoi le Christ est mort sur la croix ? Pour que nous soyons sauvés. Pour qu'en souffrant avec lui, nous régnions avec lui. Pour qu'en mourant avec lui, nous vivions avec lui. Alors voilà ce que j'ai dit à la jeune maman. Je ne sais pas pourquoi ta fille est morte, mais je sais où il faut regarder, dans quel sens. Il faut regarder vers la croix, vers le bien-aimé qui vient, vers l'amour qui vient. Non pas se poser la question du pourquoi vers le passé, pour chercher des causes, pour chercher des coupables. Mais pourquoi, en deux mots, vers l'avenir ? Le Christ est mort pour que je sois sauvé, pour que tu sois sauvé. Frères et sœurs, et surtout vous, frères malades, je ne vais pas vous raconter des histoires. Jésus n'a pas fait disparaître la mort et la maladie. Depuis la résurrection, la mort n'est pas moins douloureuse.
La souffrance n'est pas moins pénible. Et on le voit, Jésus lui-même pleure, bouleversé, devant le décès de son ami Lazare, devant la détresse de ses amis Marthe et Marie. Il ne leur a pas dit, « Mais non, ce n'est rien, ce n'est pas grave, tout ira bien, pas ni problème, Hakuna Matata. » Jésus sait que ce n'est pas rien, mais grâce à lui, la mort, la maladie, la souffrance n'ont plus le dernier mot dans notre vie. On dit que pour se débarrasser d'un ennemi, la meilleure façon, le meilleur moyen est d'en faire un ami. C'est exactement ce que Jésus a fait avec nos pires ennemis que sont la mort, le mal, la souffrance. Il nous guérit parfois et il y a des miracles. Ici même à Lourdes, nous le savons. Mais il nous apprend un moyen pour s'en libérer. Alors que nos solutions humaines, la révolte, la résignation, l'acharnement thérapeutique, l'euthanasie, tout ça ne sont que des mensonges qui rendent le mal encore plus terrible, encore plus horrible, absurde. Lui, il nous apprend que le bien-aimé vient. Il vient toucher, nous toucher, il vient pleurer, souffrir, mourir comme nous, avec nous et en nous. Ainsi, nous-mêmes, par lui, avec lui et en lui, nous apprenons que toute souffrance est une raison d'être aimé, une raison d'être aimé et même une façon d'aimer. Je t'exalte, Seigneur, toi qui m'as relevé. Frères et sœurs malades, le sacrement que vous recevez aujourd'hui n'est pas le sacrement de ceux qui se préparent à la mort. C'est le sacrement de ceux qui veulent vivre, mais vivre à plein poumon, à pleines dents, vivre et non pas survivre, vivre plus que tout, avec dans le cœur, dans les tripes, la vie même de Jésus. C'est le sacrement de la vie plus forte que la mort. Vivre plus que tous les autres. Traverser l'existence, la maladie, la vieillesse, la mort, avec dans le cœur l'amour de Jésus. C'est pour cela que vous recevez l'Esprit-Saint. C'est pour cela que vous recevez l'Esprit-Saint. La mission, votre mission, comme diraient les films du genre Mission Impossible, votre mission, si vous l'acceptez, avec l'Esprit-Saint, c'est de témoigner de la joie de la vie retrouvée. Votre mission, bondir sur les collines et sauter sur les montagnes. Avec les fauteuils, les petites voitures, malgré le poids des ans et des infirmités, oui, sauter sur les montagnes, parce que ce sont les montagnes du doute, les collines de la tristesse. Vous êtes la meilleure équipe que le Seigneur a trouvée pour cette mission, pour nos jeunes, pour ce monde qui crève de désespoir. Le Seigneur vous dit, Lazare, viens dehors et deviens un prophète de la vie, de la joie, de la vie retrouvée. Le monde a besoin de vous. Ce monde de bien portant, mais qui a des maladies beaucoup plus dangereuses que les maladies du corps. Comme Lazare, témoignez du bonheur de vivre. Par toute votre vie, ressemblez au Christ et dites à ceux qui sont enchaînés sous le pouvoir du péché, dites ce que la fiancée dit à son bien-aimé, que le bien-aimé du cantique proclame, c'est vous les bien-aimés du cantique. Alors dites au monde,
Dites à cette fiancée qui est l'humanité captive, enchaînée par le péché, les paroles du bien-aimé. Voici les paroles que vous nous dites aujourd'hui. Lève-toi, mon amie, ma toute belle. Vois, l'hiver s'en est allé. Sur la terre apparaissent les fleurs. Le temps des chansons est venu et la voix de la tourterelle s'entend sur notre terre. Amen.